Chers Adelphes, bonsoir. Dans un contexte où Mad Max fait figure de film d'anticipation crédible, où les droits sociaux sont remis en question et où ceux des personnes trans disparaissent un peu partout dans le monde, dans l'indifférence générale, les bonnes nouvelles se font rares. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne parlerons que de bonnes nouvelles dans ce Flash Info. Loi bioéthique d'abord, malgré une tentative gouvernementale de systématiser les pratiques existantes de mutilation d'enfants intersexes trop jeunes pour donner leur consentement, la Haute Autorité de la Santé a donné un avis défavorable à l'arrêté en question, au motif de la non-inclusion des associations d'usagers. Le collectif intersexe activiste se félicite de cette décision et, pour une fois dans cette émission, nous pouvons dire sans sarcasme, bien joué, l'HAS. Enfin un peu d'espoir pour l'éradication future de ces pratiques moyenâgeuses. Justice maintenant. Une mère trans en couple avec une autre femme est enfin reconnue en appel comme mère de son enfant après 8 ans de bataille juridique. Un officier de l'état civil avait initialement fait obstruction à sa reconnaissance en tant que mère biologique de l'enfant. Une bataille qui a été arrachée non sans mal par les deux femmes, un déboutage du tribunal de grande instance en 2015, une proposition d'inscription de la mention inédite parent biologique par la cour d'appel de Montpellier en 2018, un refus de la cour de cassation en 2020 proposant à la mère trans d'adopter son enfant biologique, pour enfin obtenir en février 2022 l'inscription des deux femmes en tant que mère biologique de l'enfant par la cour d'appel de Toulouse. On notera que le ministère public souhaitait apporter en mention marginale de l'acte de naissance de l'enfant le changement d'état civil de la mère afin que celui-ci puisse avoir accès à ses origines. Pour dire que les bébés naissent dans des choux, il y a du monde, mais visiblement quand c'est pour dire que deux femmes ont eu un enfant ensemble, il n'y a plus personne. Les juges ont pris la bonne décision avec l'intérêt de l'enfant comme objectif principal et refusé une telle mention. 8 ans pour obtenir la décision qu'une femme ayant un enfant égale maman, donc, sans commentaire. Une victoire historique pour les droits des personnes trans en France donc, mais on notera tout de même que ce jugement ne fait pas jurisprudence, ne modifie pas en l'état la loi, et qu'une telle bataille juridique est très loin d'être à la portée de toutes les personnes trans. Nous félicitons néanmoins ces deux femmes pour avoir fait bouger les lignes, et n'avoir rien lâché, et leur souhaitons plein de belles choses. Voilà qui conclut ce Flash Info, prenez soin de vous, et la lutte continue.